Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour le unboxing, mes petits livres d'or de janvier. Comme la dernière fois, j'ai ouvert le carton parce qu'il est dur à ouvrir. Toy Story 4. Notre amie Laura. Je pense que c'est une histoire inédite de Ratatouille. Clochette et la créature légendaire. Et Lucky le chiot. Alors, je suis désolée pour le reflet de la lumière. Il fait tellement nuit que j'ai mis ma lumière blanche. Pourtant, il est que 4h de l'après-midi, mais il fait trop nuit. J'adore la bergère. Elle est trop chou. Je me demande s'il y aura un Toy Story 5. Je n'ai pas regardé sur le net. Si tu es au courant, n'hésite pas à me le dire. J'ai vu que sur Disney Plus, il y avait des petites histoires avec Buzz et les deux. Là, j'ai pas encore regardé. Ah, il est là, celui-là. Si on l'a dans l'agenda 2021, je me demandais d'où il venait. Je me rappelais plus. D'ailleurs, je suis très en retard dans l'agenda. Donc, comme d'habitude, je te montrerai ce qu'est le personnage sur le côté après. Alors, de quoi ça parle celui-là? N'hésite pas à me dire si tu veux que je tourne les pages encore plus lentement pour que tu puisses pour que tu aies le temps de lire. Tu savais ça? Bah moi je savais pas. Attends, je te le rapproche pour que tu lises, c'est peut-être mieux. Alors hop, la taille du pied. Waouh, ils peuvent avoir 200 bébés par an. La vache. J'aime trop la fée Clochette. J'ai tous les films, je crois. Excuse-moi, ça grince. Enfin, ça grince. Ça craque, c'est neuf. Pour la fée Clochette, dis-moi si t'as un préféré. J'arrive pas à me décider, ils sont tous trop mignons.
Ça m'a donné envie de la regarder. Moi qui sais pas quoi regarder en ce moment. Est-ce que toi sur Disney Plus, quand tu le regardes sur le PC, ça bug? Moi, sur le PC, ça plante tout le temps. Et à la fin, j'en ai marre, je regarde sur le téléphone. Puis la tablette, c'est encore pire. Enfin, moi, la mienne, elle est vieille. C'était une des premières tablettes. C'est pareil, il a fait Clochette, je sais pas s'il y en aura un nouveau. Tu vois, celui-là, c'est les vraies têtes de personnages. Celui-là et celle-là, pareil, c'est pas des... Enfin, pour moi, c'est pas des vrais, quoi. Ils ressemblent, mais c'est pas des vrais vrais de chez Disney. Lucky le chiot. Allez, c'est un Dalmatien, ça a fêté leur 60 ans cette semaine ou la semaine dernière. Je l'avais partagé en story. La taille d'une mousse. Alors, qui se cache derrière Pinocchio? Attention, Ah bah, réponse au prochain épisode. Et je vois pas du tout qui ça peut être. Si t'as une idée, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc là, on en est au 87. Je te fais des gros bisous. Mouah.